Nous sommes de retour de Texas et Dieu nous a fait grâce. On est très bien parti. Ça s'est super bien passé par la grâce de Dieu. Mais c'est beaucoup, beaucoup douloureux de voir son fils en train d'enterrer son fils. C'est vraiment douloureux. Et nous faisons partie de ceux qui sont restés aux côtés de l'évêque, de Bishop Dag, dans ce moment très difficile et également proche de la famille. En tout cas, que le Seigneur console encore, une fois encore, notre père, l'évangélique Dag Ewalmins. Je veux, avant de commencer mon message ce matin, aujourd'hui c'est le 8 mai, c'est la journée des femmes et des mères, pardon. Et je dis bonne fête des mères à toutes les mamans et particulièrement la First Lady. Bonne fête des mères, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde encore la joie d'être mère et toutes celles qui ne sont pas encore mères, que le Seigneur vous prépare à être de véritables mères au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous étions en train de voir cette chose dont nous devons être remplis. Parce que nous avions compris que le monde, on le sait, mais il y a des choses que nous savons, mais qu'il faut encore répéter, qu'il faut encore dire, qu'il faut passer et repasser. C'est comme à l'examen, quand tu penses que tu connais tout, tu as tout lu, tu vas là-bas et puis on pose les questions et tu commences à... Et puis on commence à tourner en rond. Ça, je sais pas. On est très sûr de soi-même. Et tout ce dont tu es beaucoup sûr va relire encore. Ce n'est pas un péché de repasser. Et pour ceux qui sont trop smart, qui sont très très smart, je ne le suis pas. Et c'est pour ça que je revois encore mes notes. Je vais encore revoir la base, les béaba et tout de l'évangile. Et je pense que ça fait vraiment du bien. Quelqu'un dise Amen. Nous avons vu que nous devons être remplis de la plénitude de Dieu. Nous devons aussi être remplis de l'Esprit de Dieu. Nous devons être remplis de la connaissance de sa volonté. Parce qu'en toute chose, c'est sa volonté qui doit passer. Nous devons savoir qu'est-ce que la volonté de Dieu est en train de cacher. Qu'est-ce que la volonté de Dieu est en train de cacher? Quelle est la connaissance de la volonté de Dieu? Et c'est une chose terrible ou horrible de passer à côté de la volonté de Dieu. Nous avons vu que nous devons être remplis de la joie. Le monde est fait de beaucoup de tristesse. Le monde est fait de beaucoup de tristesse, de beaucoup de pression, de beaucoup de choses qui vont te faire baisser les bras, beaucoup de choses qui vont te dire, c'est pas la peine, beaucoup de choses qui vont, et si tu veux, tu vas cumuler toutes ces choses qui créent la tristesse, tu ne vas pas vivre. Tu ne vas vraiment pas vivre. Et tu vas just give up. Mais lorsque tu te souviens, c'est comme David qui dit, quand il voit tout ce qui se passe autour de lui, quand il voit tous les problèmes autour de lui, la seule chose qu'il fait, il commence pas passer en lui les bonnes choses que Dieu a fait. Il commence pas à passer en boucle ces bonnes choses-là. Et quand il voit, il commence à passer cela, alors la joie de l'Éternel revient. Et nous avons compris que la joie de l'Éternel doit être notre force. Le chrétien doit être quelqu'un qui a cette joie et qui vit constamment dans cette joie-là. Aujourd'hui, je ne veux pas. Ce serait juste une courte exhortation. Ce serait vraiment pas long aujourd'hui. Je vais finir avec les trois autres points qui restent parce que je vous ai parlé de cette chose dont vous devez être rempli, qui serait la deuxième partie de mon message de ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un dise Amen. Dis-moi Amen. En tant que chrétien, pour être fort, pour ne pas baisser les bras, pour ne pas laisser tomber, pour ne pas tomber dans la dépression, pour avancer toujours, nous devons apprendre à être remplis de la foi. Quelqu'un dise la foi. Quelqu'un me dise la foi. Acte chapitre 6, verset 5. Acte 6, verset 5. Cette proposition
à toute l'assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit Saint. Philippe, Prochor, Nicanor, Tinor, Panemas et Nicolas, prosélyte l'Antioche. Alléluia. Nous savons tous que la foi, c'est une ferme assurance, n'est-ce pas? Des choses quoi? Des choses qu'on espère. Une démonstration de ce que nous ne voyons pas. Lorsque nous sommes à des endroits donnés, nous commençons par vivre par la vue. Et si tu veux être fort dans le système, si tu es en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, ou bien tu es en Europe, tu es dans un système aussi contraignant, si tu veux vivre, tu dois comprendre que ta vie ne serait pas basée sur la vue, mais ce serait basée sur la foi. Nous vivons de la foi. La foi, c'est comme l'oxygène du chrétien. La foi, c'est comme l'eau que nous buvons. On peut ne pas manger pendant des jours, mais si tu ne bois pas pendant des jours, tu vas mourir rapidement. La foi, c'est de ça que nous vivons. C'est comme un poisson dans l'eau. Le poisson dans l'eau a besoin de l'eau pour vivre. Mettez le poisson en dehors de l'eau et le poisson va mourir. Mettez le chrétien en dehors de la foi et le chrétien va mourir. Quelqu'un me dise amen. Dieu sait, il sait sous quelle pression nous sommes. Dieu sait qu'est-ce que nous sommes en train de vivre. Il connaît nos réalités. Il connaît tes problèmes. Il sait ce que tu vis au fond de toi. Il sait les difficultés que tu as avec tes enfants. Avec ton mari, il sait comment c'est compliqué. Avec ta femme, il sait comment c'est compliqué. Avec tes parents, il sait comment c'est compliqué. Avec ton patron, il sait comment c'est compliqué. Avec les factures, avec les problèmes qui viennent, la maladie. Mais il sachant cela, il dit, mon fils, ma fille, il est important que tu ne vives pas de ce que le système te met comme message, que tu ne vives pas de ce que le système t'envoie, que tu ne vives pas de ce que tu vois, mais que tu vives de la foi. Quelqu'un dise amen. Quelqu'un me dise amen. Quelqu'un me dise un bon amen. La foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Je dis encore, sans, et c'est la Bible qui l'a dit, sans la foi. Qui veut être agréable à Dieu? Lève la main, je vais voir. Qui veut être agréable à Dieu? Si tu veux être agréable à Dieu, tu ne peux pas l'être sans la foi. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Ou bien tu parles? Tu parles à quelqu'un, tu bavates? Tu me suis ou bien? Hein? Alléluia. Alléluia. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable au Seigneur. Never. Jamais. La marche par la foi s'oppose à la marche par la vue. C'est deux choses qui s'opposent. Tu vas venir un jour dans ta vie et tu seras obligé de marcher. Tu ne peux pas marcher ensemble comme ça. Ça s'oppose. C'est deux chemins qui s'opposent. Ça ne se croise pas. Alléluia. Et le Seigneur dit, marchez par la foi parce que vous devez, le juste vivra par la foi. Tu veux vivre, tu es obligé d'avoir la foi, de marcher par la foi. La peur, l'inquiétude, l'anxiété viennent par manque de foi ou encore par manque de beaucoup de foi. Parce que quand Jésus dit, homme de peu de foi, c'est qu'il dit quelque chose. Quand nous sommes remplis de foi, nous serons capables de tout faire dans la vie. Quand tu es un chrétien, sache que tu es obligé de marcher par la foi et non par la vue. Je te dis, si tu es chrétien, tu es obligé de marcher par la foi et non par la vue. Si tu n'es pas chrétien, c'est correct. Il y a plein de raccourcis que tu peux faire. Tu peux voler, tu peux tricher, tu peux mentir, tu peux jouer des jeux, tu peux faire des choses pour pouvoir gérer les affaires. Tu peux tuer même. Mais chrétien, tu ne feras rien de tout cela. Et si tu, pour vivre, c'est ça le tout, pour vivre au milieu d'un monde où le monde a sa manière de faire, le monde a son système, et ce monde, le système de ce monde
que nous ne sommes pas appelés à faire ou tu ne peux pas faire. Ma soeur, tu ne peux pas aller te prostituer pour avoir de l'argent. Non. Tu ne peux pas aller déloger le mari d'autrui pour pouvoir satisfaire, pour pouvoir avoir une maison. Non. Mais déjà, le font. Mais comment est-ce que tu vas avoir une maison? Comment est-ce que tu vas avoir l'argent dont tu as besoin? Comment est-ce que tu vas arriver? Tu arriveras sans passer par ces chemins-là. Ce n'est pas la foi. Quelqu'un dit la foi. Nous devons apprendre à être remplis par la foi. Parce qu'avec la foi, nous sommes capables de faire tout. Il n'y a rien qui te sera impossible par la foi. Notre vie doit être nourrie par la foi. Notre vie doit constamment, tu dois constamment être nourri, constamment, jour et nuit, à tout moment. Tu dois vivre par la foi. Quelqu'un dise la foi. Quelqu'un dise la foi. Oui, je vais ouvrir une parenthèse parce que il n'y a rien de hasard dans la vie. Quand nous venons, on venait tout à l'heure de l'aéroport. Et on a pris un taxi, un Uber. Et puis, je disais au monsieur, c'est une question qui semble un peu stupide, mais je ne sais pas pourquoi je l'avais dit. Mais toi, pourquoi tu n'as pas été à l'église? Pasteur, s'il était parti à l'église, qui va te prendre? Mais c'est, j'ai juste posé la question. Elle dit, non, moi, je ne veux pas aller à l'église parce que pendant ce temps-là, je suis en train de perdre de temps, je dois payer ma maison. Je dis, oh, et il était nerveux. Tu pouvais voir l'amertume monter en lui. Il était très agressif. Mon épouse dit, mon gars, calme-toi. On est tous au Canada. Et Dieu m'a donné la force, il m'a donné l'intelligence. Et c'est pour ça que j'ai dit, 2 heures à l'église, ça ne veut pas te tuer. Dis non. Vous ne connaissez pas mes problèmes. On n'a pas besoin de connaître tes problèmes parce que toi, si tu ne connais pas nos problèmes, nous te dit, mon gars, tu dois aller à l'église. Quelqu'un me dise amen. Quelqu'un me dise amen. Tout le monde a des réalités. Tout le monde a des... On n'est pas venu au Canada hier. Si j'étais venu hier, oh non, vous venez juste d'arriver. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. Quand vous serez dedans, là, vous allez comprendre. Alléluia. Maintenant, quand vous venez voler, dites non, j'ai fait 10 ans en Angleterre. Ma femme, elle reste à la maison, elle dort. Du matin au soir, elle dit, oh, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Et Dieu n'a jamais fait. Maintenant, tu es dehors maintenant pour que Dieu fasse. Elle dit, mon gars, si ta femme est paresseuse et elle dort le matin au soir, Dieu a dit que les paresseux n'ont pas le droit de manger. Ou bien, on ne prend pas une loi pour aller créer une doctrine. Dieu n'a pas dit que les paresseux vont manger. Il dit, paresseux, lève-toi, va voir la fourmi. Paresseux, lève-toi, va voir la fourmi. Ah, Dieu, la nourriture va tomber du ciel. Non. Et ce n'est pas une, on ne va pas en faire une doctrine. Elle dit, mon gars, personne n'est responsable de ça. Ça, c'est clair. Aucun homme n'est responsable de ce que personne n'est responsable de... Dieu n'est pas responsable de ce que les hommes ont établi et c'est ta femme. Et qui t'a dit que les 2 heures, mon épouse l'a dit, mais qui t'a dit que les 2 heures de l'église que tu vas prendre là, c'est ça qui va te faire atteindre tes objectifs. À la fin, quand on était en train de descendre, il a dit, vous êtes des anges que Dieu a envoyés dans ma vie. Alléluia. Parce que je lui ai dit, mon gars, regarde, moi je te dis quelque chose. Dieu ne veut pas descendre et envoyer. Il dit, non, vous êtes des anges que Dieu a envoyés. Quelqu'un me dit, amen. Quelqu'un me dit, amen. Dis-moi un bon amen. Donc la foi, nous vivons de la foi. Nous travaillons tout comme si on n'a pas la foi. Et nous manifestons la foi tout comme si on n'a jamais travaillé. Il a dit, en matière de travail là, je peux te dire, je travaille plus que toi. Vendredi, on était au Texas, on a quitté, on a travaillé toute la semaine. Vendredi, on était au Texas. On est venu à Washington à 1h du matin, jusqu'à 1h du matin. À 3h, on a commencé par travailler. En même temps, on est encore debout à travailler à 3h. On a fini, on est en train de finir. 6h quelque chose, il faudrait qu'on rentre pour retourner à l'aéroport. Il dit, mon gars, tu n'as pas travaillé plus que moi. Nous n'en sommes pas dans la politique de la paresse, on n'est pas dedans. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi, bon, amen. Et donc, nous devons savoir que Dieu nous appelle à vivre par la foi. Et la foi n'est pas synonyme de paresse non plus, pas du tout. Loin de là, Jésus a travaillé
Et Dieu, à travers, Dieu nous appelle à travers. Mais nous devons comprendre, c'est le truc est que lorsque tu veux utiliser ta force, tu veux utiliser ton intelligence, à la fin, tu dis, oh, j'ai fait ceci, je suis capable de ceci. Mais alors que tu n'es capable de rien du tout, si Dieu ne t'a pas donné, si Dieu ne t'a pas donné la possibilité, tu vas beau avoir l'intelligence, beau avoir la force, mais tu ne peux pas te lever si Dieu ne te donne pas la force de te lever. C'est là que nous sommes reconnaissants, malgré que nous fassions quoi que ce soit. On dit, non, Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est toi qui l'as fait. On lui donne toute la gloire. Quelqu'un me dit un bon amen. Oh, je ne t'entends pas dire amen. Alléluia. Et la sixième chose, la prochaine chose que nous devons être remplis de tout le savoir. Quelqu'un dit le savoir. Quelqu'un dit le savoir. Nous devons être remplis du savoir. Et nous allons prendre... oui, c'est le 6. Le 5, nous devons être remplis de la foi. Je reprends. Le premier, nous devons être remplis de la plénitude de Dieu. Deuxième, nous devons être remplis de l'esprit. Troisième, nous devons être remplis de la connaissance de sa volonté. Quatrième, nous devons être remplis de sa joie, de la joie de Dieu. Cinquième, nous devons être remplis de la foi. Et sixième, nous devons être remplis de tout le savoir, pas une partie du savoir, mais tout le savoir. Romains chapitre 15, verset 14. Romains chapitre 15, verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions. Maintenant, écoutez, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. L'arme ultime de l'ennemi, c'est quoi? C'est l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il manque de l'argent. C'est ça la Bible a dit. Hein? Mon peuple périt parce qu'il manque de maison. Ou bien, mon peuple périt parce qu'il manque de visa pour aller en Amérique. Ou bien pour aller en Suisse. Mon peuple périt parce qu'il manque du travail. Hein? Mon peuple est en train de périr parce qu'il manque de femmes, mais de mari. Non, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de quoi? De connaissance. Beaucoup de chrétiens pensent que quand je suis chrétien, je vais enlever la connaissance que Dieu m'a donnée, je vais mettre ça de côté, je ne veux pas du tout l'utiliser. C'est ça. Et c'est ça qui amène à des dérives ou amène à des affaires de sectes où les gens sont sous le contrôle d'un gourou qui dit, oh, c'est le pasteur doit dire, je vais tourner ma tête à gauche. Pasteur, pasteur, je vais tourner la tête. Non, il ne faut pas tourner. Attends un peu. OK. Pasteur, je fais comment? J'attends toujours. Non. Le pasteur est en train de dormir. Pasteur, pasteur. Ah, c'est comment? Alléluia. Les gens sont au vase spirituel. OK? Jean, je suis très spirituel. La Bible dit, nous devons connaître. Dieu n'est pas contre la science. Le plus grand scientifique, c'est Dieu. Celui qui a créé les astres, celui qui a créé les étoiles, qui les a positionnés, a positionné la lune, a positionné le soleil. Comment est-ce qu'il va être un insensé pour les positionner comme ça? Nous sommes en train de finir avec l'hiver et vous voyez déjà, les fleurs commencent pas à apparaître. Celui qui a ordonné, qui est le grand architecte de l'univers. Et vous pensez que c'est un bête? Et on veut berner tout le monde. On veut dire, bon, il faut être... Non, mon frère. Dieu dit, il dit, le Saint dit, nous sommes appelés à être remplis de tout le savoir, de toute la connaissance. Quand Satan voit un IA par rapport à quelque chose là, oh, il est très content. Très, très, il va te garder jalousement là. Il va te fournir plein d'éléments pour que tu restes demain dans l'ignorance. Beaucoup de gens sont ignorants dans la pauvreté. Je parle de cette femme-là qui dort du matin au soir, qui dit, non, mon mari, Dieu va faire. Oh non, mon mari, Dieu va faire. Et Dieu, le gars, lui, il ne connaît pas la parole. Il n'a pas lu là où Dieu a dit au paresseux d'aller. Il dit, non, quand je vais sortir là, il aura quoi? Dehors. Il y a un lion dehors.
Alléluia. Il y a un lion dehors. Il y a des gens, quand il commence à pleuvoir, ils ne peuvent pas sortir. Parce qu'ils sont des sucres. Alléluia. Quand il fait chaud, ils ne peuvent pas sortir. Ils sont la crème glacée. Non. Il fait chaud. Comment on dit? Il fait sévèrement chaud. Bien fait. Il fait chaud. Extrêmement chaud. Ah, la neige est venue. Il y a un tas de neige. Alléluia. Nous devons connaître certaines choses dans la vie. Si tu es chrétien, il y a des choses que tu dois connaître. Il y a des questions dont tu dois avoir la réponse. Absolument. Il y a plein de questions que tu dois avoir la réponse. Quelqu'un me dise amen. Je ne t'entends pas. Dis-moi amen. Alléluia. Il y a plein de questions dont tu as besoin de connaître la réponse. Si tu ne connais pas ces réponses-là, tu seras baratiné par l'ennemi. Tu seras maltraité par l'ennemi. Tu seras maltraité par Satan. Quelqu'un me dise amen. Il y a plein de questions dont tu dois avoir la réponse. Pourquoi les chrétiens sont-ils différents des incroyants? Pourquoi tu dois être différent des incroyants? Pourquoi les chrétiens ne doivent-ils pas avoir des amis sincères, des païens, vivre avec des païens? Pourquoi un chrétien ne doit pas épouser un non-chrétien, un païen? Pourquoi? Non, Dieu, l'amour, c'est l'amour. Dieu a dit d'aimer, on dit, oh oui, Dieu a dit d'aimer. Mais ceux qui disent vont juste extraire Dieu a dit d'aimer de la Bible et ne suivent pas les autres. Dis-le alors qu'ils soient soumis sur les autres également. Dieu est amour, yes, Dieu est amour. Pourquoi est-ce que les chrétiens ne doivent pas regarder la pornographie, ne doivent pas se laisser la masturbation? Pourquoi est-ce que les chrétiens ne doivent pas s'adonner à la fornication? Dis non, pasteur, de toute manière, on veut se marier. C'est dans deux semaines se marier, non? Non, mais c'est correct déjà. Pourquoi? Pourquoi les chrétiens ne doivent pas écouter les musiques profanes, les musiques du monde? Tu ne peux pas répondre à ces questions. Tu n'as aucune idée sur les réponses qu'il faut donner à ces questions-là. Pourquoi les chrétiens parlent-ils en langue? Ils parlent en langue. C'est pas du non-sens, ça. Ça sent du n'importe quoi. Tu n'as pas honte? Et toi, si tu... Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Lorsque tu te retrouves en face de la contradiction, pourquoi les chrétiens perdent-ils la dîme? Pourquoi le chrétien va prendre 10% de son revenu donné à Dieu, pendant que les 90%, même si on lui donne encore deux fois ce qu'il a, ne peut pas le suffire? Pourquoi le chrétien fait ça? Pourquoi le chrétien va donner des offrandes? Alléluia! Pourquoi le mariage des chrétiens dure-t-il plus longtemps plus que le mariage des païens? Je suis en train de vous poser des questions. Trouvez-moi des réponses. Hein? Pourquoi les jeunes filles chrétiennes sont plus belles d'apparence que les autres jeunes filles? Est-ce que vous savez que vous êtes belles? Les jeunes filles, répondez-moi. Est-ce que vous savez que vous êtes belles? Je ne parle pas de make-up. Hein? Je ne parle pas de make-up. Je parle de la beauté. De la vraie beauté. Est-ce que vous le savez? Pourquoi les chrétiens ne trichent pas aux examens? Pourquoi les chrétiens disent-ils la vérité? Pourquoi ils doivent dire la vérité? Pourquoi les chrétiens restent vierges jusqu'au mariage? Quel intérêt ça a? Ça n'a pas de compteur. On ne voit pas sans pas mesurer. Pourquoi est-ce qu'il faut, il faut sacrifier ça? Pourquoi est-ce que le chrétien doit se sacrifier? Vous devez connaître ces questions-là. Oh non! En réalité, je vais vous dire une chose. Et par la grâce de Dieu, on va répondre à ces questions. Toutes ces questions que j'entends, on va répondre à toutes ces questions-là.
généralement, on se dit, non, tu fais les choses naturellement. Oh, je me lève, je prie. Mais lorsque tu te vois, Satan sait que tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu tentes de faire. Lorsqu'il sait que tu sais pourquoi tu ne sais pas ce que tu tentes de faire, un jour, il va te l'arracher. Parce que tu ne sais vraiment pas pourquoi tu le fais. Bon, écoute, ce sont mes parents qui ont dit ça quand même. Mais est-ce que je me suis vraiment posé la question? Pourquoi le chrétien doit-il lire la Bible tous les jours? Pourquoi c'est impératif au chrétien de lire la Bible tous les jours? Pourquoi tu dois prier tous les jours absolument? Pourquoi tu dois aller à l'église? Pourquoi tu vas faire partie d'une église? Pourquoi le chrétien doit avoir un pasteur? S'il y a plein de pasteurs partout, si tu cliques comme ça, il y a un prophète qui est en train de prophétiser à chaud. Il y a plein d'évangélistes. Un jour, il y a un pasteur qui... Les gens ne voulaient plus venir à l'église parce qu'après la pandémie, parce que tout le monde veut rester en ligne. Et un de ses amis pasteurs lui demandait, « Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un me suit? Vous me suivez? » Il disait, « Mais écoute, il faut fermer l'église en ligne. » Et puis, le pasteur a dit, « Pasteur, si je ferme l'église en ligne là, il y a plein d'autres églises. Quand ils ne viennent, ils vont cliquer sur leur truc là. Il y a encore une autre église qui est en ligne directement. Ils vont partir. Donc, ça, il n'y a pas de problème pour ça. » Alléluia. Pourquoi est-ce que le chrétien doit avoir un pasteur? Il doit avoir un berger. Pourquoi le chrétien doit appartenir à un groupe, à l'église? Pourquoi le chrétien doit absolument faire quelque chose? Pourquoi le chrétien doit jeûner? Si tout va bien avec moi, pourquoi je vais jeûner? Voilà des questions que tu vas te poser. Voilà des questions que tu ne veux pas seulement te poser, donc tu dois chercher des réponses. Et nous allons faire, on va faire un exercice sur ça à l'église. Je vais voir, on va voir comment il faut faire. Je vais trouver une formule et chacun va répondre aux questions et nous allons voir les réponses. Et tu vas me donner des réponses basées sur la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, un jour, il y a quelqu'un, un frère qui m'a dit, le frère a l'habitude de payer sa dîme. Et puis, à un moment donné, le frère avait arrêté entièrement de payer. Il a dit, mais le pasteur a appelé le frère et dit, mon frère, c'est comment? Il dit, non, en fait, l'affaire de dîme, là, je ne comprends même pas. Il y a une sœur qui s'appelle Dove. C'est Dove qui m'a convaincu, mais là, je n'ai plus la conviction et tout ça. Peut-être en ce moment, il s'entendait bien avec Dove, mais après, ça ne va plus avec Dove. Maintenant, comme ça ne va plus, donc tout ce que Dove a dit, ça ne va plus aussi également bien. Non, c'est après celle qui m'avait convaincu. En ce moment, puis quand j'ai compris, je venais, mais comme la lune de miel a fini avec Princesse, là, non, c'est fini. Donc, c'est correct. Je pense que... Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Il y a un jeune garçon qui venait dans notre église et puis il cherchait une fille. Et puis c'est la fille qui allait à l'église et puis il a suivi la fille qui venait à l'église. Mais finalement, les choses n'ont pas bien fonctionné. Et on appelait la fille, on appelait le gars, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre vous? La fille a dit, non, il n'y a rien entre nous. Parce que le gars, lui, il a suivi la fille pour venir à l'église, il a commencé à chercher une autre fille. Et finalement, mon épouse a dit au gars, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Voilà que c'est lui, c'est elle qui t'a amené. Tu l'as suivi pour venir maintenant, on fait comment? Il a dit, non, moi je suis venu avec c'est fini, je ne vais plus grandir. Mais son cœur, ça chauffait, ça brûlait sérieusement. Elle m'a dit, elle a dit non. Et maman, quand je salue la fille, elle ne me salue plus. Alléluia. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Oui, il aimait l'église, il venait, quand il quitte le travail, il venait directement à l'église. Même s'il fait nuit, avant que le culte le finisse, il est toujours là. Mais après, les choses ne commençaient pas à changer un peu. Oui, il aimait le Seigneur, mais il y a encore autre amour également là, quelque part. Et je vais sauter sur le dernier point. Soyez rempli d'une bonne disposition. Quelqu'un me dit Amen. Je vais toujours rester dans le Romains chapitre 15, verset 14. Voici. Pour ce qui vous concerne, mes frères, moi-même, je suis persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions. Quelqu'un dit le fond.
soyez remplis de quoi? D'une bonne disposition. Ce qui est au fond, le fond même là, qu'est-ce qui est au fond là? Qu'est-ce qui est en ton fond intérieur? Tu es plein de quoi? Tu es rempli de quoi, ma soeur, mon frère? Tu es rempli de quoi? Oui, c'est, j'aime le Seigneur, mais c'est aussi... Non. Puisque au début, quand le frère venait à l'église, je continue tout le frère, je continue tout l'histoire du frère. Vous savez, quand tu es un peu dans le système, à un moment donné, là, tu deviens mature. On m'a dit, mais le frère, il est venu, il passait seulement la vie, l'église ouverte, puis il a dit, ah, c'est quelle église qui est ici? Oh, l'église, il a commencé par venir. J'ai dit, waouh, j'étais bon épouse. Ça, là, j'ai tout ça un peu suspect. on était là. Quand les problèmes sont venus, on dit, ah non. On dit, maintenant, qui l'a amené? La même personne que, puisque vous savez, l'église, c'est vrai, je crois que Dieu appelle les gens, tout le monde, tu peux juste voir et puis tu vas aimer. Mais généralement, l'église travaille toujours en network, ok? Grâce a vu Princesse, a dit, ah Princesse, je vais à l'église, ok, je vais te suivre. Princesse suit Grâce pour venir à l'église, et après voir l'église, oh c'est intéressant, oh je vais rester. Princesse a une amie, mais a un camarade qui dit, oh Princesse a 4 sœurs, et toutes les sœurs sont à la maison. Et puis, écoute, qu'est-ce que vous faites à la maison? Allons-y à l'église. Elle les met dans la voiture, ils viennent à l'église. Et puis, ils vont trouver Jacob. Jacob, c'est un vieux ami qui était... ils étaient restés ensemble. Et ils vont trouver Jacob là. Wow, tu es ici également. Et puis, ainsi de suite, OK? Maintenant, quelqu'un vient dire, oh, je veux une église. Je suis venu nouvellement dans le quartier, je veux une église. Oh, mais viens dans notre église. Et puis, chacun vient. Et après, la finalité est que on évangélise également, mais la finalité est que on est toujours dans un réseau. Un réseau où je connais telle personne, le connaît, et où encore on vient, où on se tisse des amitiés, on vient, finalement, on voit qu'on travaille dans la même société, ou bien dans le même ministère, ainsi de suite. J'ai dit à mon épouse, ça là, comme la Bible dit, là où il y a des cadavres, il va y avoir quoi? Des corbeaux. OK? Là où il y a des jeunes filles, il va y avoir des jeunes garçons qui tournent également. La finalité, le gars, c'était une fille qui l'a amené. Ouais, les filles peuvent t'amener, mais tu peux également servir le Seigneur. Quel est ton fond? Nous devons savoir que nous devons être remplis des choses positives. Quelle est ta disposition? Si toi, mais tu n'as pas la disposition de pardonner, on peut donner un enseignement, on peut faire un séminaire sur le pardon. Tu ne vas jamais pardonner. Never. Parce que ta disposition, tu as déjà mis le pied de guerre, tu as fait comme ça. Lorsqu'on donne un exemple, tu dis, c'est de moi on est en train de parler. Lorsqu'on dit, ah, c'est parce qu'il y a tel problème qu'on dit. Lorsqu'on dit, oh, c'est moi, et je ne veux pas. C'est le pasteur, il est en train de dire ça pour que. C'est à cause de ceci que le pasteur est en train de dire ça. Il a dit ça. Tu n'as pas un bon fond. Quelqu'un dit le fond. Je ne t'entends pas dire le fond. Quel est au fond? Qu'est-ce qui est au fond de toi? Quel est ton fond? Quand le fond est souillé, la Bible dit, dans le fond de l'homme, dans le cœur de l'homme, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans le cœur de l'homme. Et la nature a horreur du vide. Je vous ai dit, je vais juste finir bientôt. La nature a horreur du vide. Et nous devons apprendre à être remplis de l'esprit, remplis d'une bonne disposition. Nous devons apprendre à être flexibles, être remplis, dire, Seigneur, je dépends de toi. Jésus-Christ avait un très bon fond. Avoir un fond ne veut pas avoir une bonne disposition ne veut pas dire que tu n'as pas une volonté. Ça ne t'arrache pas ta volonté. Avoir une bonne disposition ne veut pas dire que tu n'as pas des idées. Avoir une bonne disposition ne veut pas dire que tu n'as pas des choix. Avoir une bonne disposition ne veut pas dire que tu es juste comme des marionnettes et puis on te dit, on fait comme ça et puis ça y est. Ça ne veut pas dire comme ça. Mais le truc est que oui, j'ai mon choix. Oui, j'ai mon désir. Oui, j'ai ma volonté. Oui, mais le truc est que au fond de moi, le désir le plus ardent, c'est la volonté de Dieu. Et lorsque tu vas rencontrer cette volonté-là, tu es sûr de cette volonté, tu dis, OK, yes, ça y est. Jésus-Christ était à la croix. Son désir, il est venu sur la terre pour pouvoir aller à la croix. C'était ça. Mais il a vu de loin la croix là-bas. Il a regardé. C'est qu'on a zoomé. Il a vu les crachats, comment ça allait de part et d'autre dans son visage. Pa, 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 pa. Alléluia.
Il a vu comment est-ce que les gens enrhumés étaient tous sur le chemin, en train de cracher. Il a vu la chicotte qui... On l'a zoomé, on l'a montré un. Avant, c'était un big picture, mais là, on a montré spécifiquement qu'est-ce qui va se passer. Toute cette foule-là qui a clamé Jésus, Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna au Fils de Dieu, et qui était en train de chanter ce Hosanna-là, il a vu cette même foule-là en train de dire crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Il a dit papa, trouvons autre alternative. On va chercher un plan B. Et lorsqu'il a fini de faire toute la prière, il a dit que ça ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. C'est là ce que j'appelle le fond. De quoi es-tu rempli? Est-ce que tu es rempli de la parole de Dieu? Parce que c'est dans la parole de Dieu que tu rencontres la volonté de Dieu. Est-ce que tu es rempli de la bonne musique? Parce que la bonne musique chrétienne conduit, ça génère l'onction, ça génère la présence. Non, mais c'est une musique profane, mais ça n'appelle, on n'appelle pas le nom de Satan dedans. Qui t'a dit que c'est juste appeler le nom de Satan dans une musique qui fait que la musique n'est pas inoffensive? Vous pensez que quand on dit seulement Jésus dans une musique là, c'est ce qui vous trompe en fait. C'est pour cela que quand vous voyez un artiste et on met Alléluia quelque part, on balance Jésus quelque part, on dit oh mais il a dit Jésus, donc c'est un chrétien. Ou bien c'est un artiste chrétien, puis tu commences à suivre. Alléluia. Alléluia. Nous devons apprendre à être remplis. Ne perdez pas votre temps avec la musique non chrétienne. Ne perdez pas votre temps avec ça. Ça, vous devez dire, c'est fini avec ça. La musique non chrétienne, no way. Ça va vous faire remplir de déchets, je vous assure. Parce que en réalité, je vous le dis une fois, celui qui communique a un esprit. C'est au-delà des mots en réalité. Ce n'est pas les mots le truc, mais c'est l'onction qui accompagne. Si je dis, tiens, c'est 10 000 dollars. Tu sais, tu es la meilleure. Lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur a mis dans mon cœur de te donner 10 000 dollars. Et je parle, tu prends les 10 000 dollars. C'est combien 10 000 dollars, ok? Mais quand je viens, je dis, regarde, je garde 10 000 dollars. Je dis, affamé, pauvre, miséreux, misérable, misère. Le mot misère, c'est de ta génération en génération. Et la misère a attaqué ton père. Ton père est mort dans la misère. Je suis en train de prier. Dieu m'a dit, donne à cette misérable fille, dame, ces 10 000 dollars. Est-ce que tu vas prendre ces 10 000 dollars? Réponds-moi oui ou non. Hein? C'est combien? C'est 10 000 dollars. Alléluia. Des gens vont dire, oh non, je vais prendre ça parce que ça n'a pas de couleur. Je m'en fous, je vais prendre ça et puis le reste. Mais je sais, ça là, c'est au niveau émotionnel. Maintenant, au niveau spirituel, ce que les mots véhiculent, ce n'est pas seulement le mot, mais c'est l'esprit qui accompagne cela. Quand tu dis Alléluia, ce que moi je dis, ce n'est pas la même chose quand Bénéine prend le micro pour dire même micro, je lui donne le même micro, même mot, Alléluia, ce n'est pas la même chose. Avant de réaliser, tout le monde est déjà tombé par terre. Vrai ou faux? C'est l'esprit derrière la chose. C'est ça qu'il faut comprendre en réalité. Pour ceux qui se battent encore avec la musique profane, si vous ne vous occupez pas de votre vie pour que des bonnes choses vous remplissent, d'autres choses vont remplir. D'autres choses vont remplir votre vie. Tu dis non, c'est deux choses. C'est donnez-moi, est-ce qu'il y a une bouteille là? Donnez-moi une bouteille, s'il vous plaît. Une bouteille vide. Parfait. Merci, Josué. Nous avions toujours compris. On a appris quand on était enfant, lorsque je dis, ça c'est quoi ça? Vous allez appeler ça quoi?
une bouteille vide. Si je mets de l'eau ici, vous avez une bouteille à moitié remplie. Ou bien, mais arrêtez, est-ce que la bouteille là est vide? La bouteille là est vide. Hein? Arrêtez, est-ce que la bouteille là est vide? La bouteille n'est pas vide. Si tu as été un peu à l'école, tu vas savoir que une bouteille comme ça, ce n'est pas une bouteille vide. Tu dis, mais il n'y a rien dedans. Non, ce n'est pas vide. La bouteille n'est pas vide. Maintenant, ce qui est dans la bouteille pour vider, ce qui est dans cette bouteille-là, il faut faire quoi? Il faut remplir, il faut mettre quelque chose dans cette bouteille-là. Prends la bouteille, montre-moi la bouteille. Monte un peu. Voilà. Tu commences par remplir. Lorsque je fais ça, quelque chose est en train de sortir de la bouteille. Regardez. Donne-moi encore de l'eau. Lorsque je fais ça, quelque chose sort. Garde comme ça. Garde le bas, juste le bas. Il y a une partie, peut-être vous ne voyez pas bien, il y a une partie qui est pleine. C'est plein ici. Mais il y a une partie qui semble être vide. Mais il y a quelque chose là. Et plus je continue de verser l'eau, je continue de verser, ce qui est là va finir. Et ça va sortir définitivement. Cela stipule quoi? Lorsque tu penses que non, je suis juste neutre, je suis correct. Non, je ne prie pas, mais c'est correct, je ne regarde pas. Mais je suis, tout est, everything is ok. Rien n'est ok en réalité. C'est ce que tu ne sais pas. Le jour où tu ne lis pas la parole, le jour où tu n'écoutes pas le message, tu ne réécoutes pas le message, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui est là. Si vous n'êtes pas rempli de la parole de Dieu, si vous n'êtes pas rempli des messages, vous serez rempli des choses négatives. Est-ce que quelqu'un a déjà invité des pensées négatives? Pensées négatives, viens. Quelqu'un a déjà invité ça une fois déjà? Hein? Mais pourquoi tu développes tes pensées négatives? Tu n'en as pas, hein? Oh, moi, j'en ai beaucoup développé. Hier, j'étais à l'enterrement, on était à l'enterrement du fils aîné du bishop David. Quand j'étais assis là, je réfléchissais very bad. Je pensais à beaucoup de choses. Et je ne peux pas vous dire tout ce à quoi je pensais. Je pensais à mon funérail. Je disais, mais si là où je suis, je meurs maintenant là. Je suis en train de penser à tout ça automatiquement. J'ai dit à mon époux, ma chère, si je meurs aujourd'hui, comment tu vas faire? Elle me repose la question. Toi, et si moi je meurs, elle dit non. C'est pas, je t'ai posé la question. Parce que je pensais véritablement à ça. Je n'ai jamais pensé à ma mort. Plus que hier, quand j'étais au Texas, je n'ai jamais pensé à ma mort comme ça. Jamais. J'ai pensé à ma mort, j'ai pensé à l'église, j'ai pensé au ministère, j'ai pensé au livre, j'ai pensé à la campagne Jésus guérit encore. J'ai pensé à ça, j'ai dit, mais il faut que je commence à écrire mon testament. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Je n'ai pas invité. Mais vous pensez que si j'étais à un endroit, on était en train de fêter, on était en train de danser, c'était correct là, je veux penser à ça? Non. Une chose que vous allez savoir, tout ce que vous voyez, même les gens avec qui vous vivez, si ces gens-là sont remplis de choses négatives, tu seras affecté. Ça, ce n'est même pas discuté. Un jour, Catherine Coleman devait prêcher et il y avait déjà du monde. Elle ne peut plus passer au milieu des gens. On l'a fait passer par un sous-sol. Et lorsqu'elle est rentrée comme ça, tous ceux qui étaient à la cuisine, tous sont tombés sous l'onction. Tous sont tombés. Elle n'a touché des gens qui sont des descendants d'elle. C'est de la même manière. Quand des gens qui sont remplis des démons, lorsqu'ils passent, ces démons-là viennent directement à toi. Ils s'attachent à toi. Mais si tu n'es pas rempli de la puissance, regardez, quand vous êtes sur votre téléphone, vous regardez, vous êtes sur Instagram, vous passez. Ceux-là, est-ce que vous la connaissez? Vous recevez l'onction qui est sur les gens. C'est ce que vous ne savez pas. Quand tu es en présence d'un homme moins, de quelqu'un qui est moins, tu es en présence de quelqu'un qui est rempli de la présence de Dieu. Quand tu vois même la photo de la personne, quand tu vois même l'image des vidéos de la personne, pourquoi je vous dis d'écouter tous les messages? Pourquoi je vous dis de toujours suivre des vidéos, des messages, des vidéos de guérison, de miracles, des vidéos d'adoration? Pourquoi je vous demande de suivre ça souvent?
Oh, telle personne, oh non, il n'est pas ceci. Ouais, mais chaque fois quand tu défies, tu vois, tu dis, tu lis. Parce que la Bible dit, écoutez, Ézéchiel 2:2. Et je vais finir très bientôt. Je vous ai dit que je ne vais pas passer assez de temps. C'est juste une toute courte exhortation. Prends-moi Ézéchiel 2:2. Est-ce que vous pouvez me prendre Ézéchiel 2, verset 2? Marabrazi Kamina Kanda. Ézéchiel 2:2. Il dit, dès qu'il m'eut adressé la parole, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit entra en moi. L'Esprit entra. Lorsque tu converses avec quelqu'un, il y a un esprit qui est dans la personne qui a le désir de rentrer en toi. Quand tu écoutes une musique, il y a un esprit qui veut. Quand tu écoutes une vidéo, toute vidéo que tu écoutes, il y a un esprit qui veut rentrer en toi. Dès qu'il m'eut adressé ces paroles, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Il y a un esprit qui va te tenir sur tes pieds. Il y a un esprit qui va te faire tomber. Je reprends. Il y a un esprit qui va te tenir sur tes pieds. Qui va te faire tenir sur tes pieds. Mais il y a un esprit qui va te faire tomber. Des choses se passent dans la vie de cet chrétien. Il dit, mais cette sœur-là, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui l'a poussé à dire ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce que tu es exposé à entendre certaines choses. Tu es exposé à voir certaines choses. Et ces choses que tu entends te communiquent un esprit. Tu ne peux pas voir l'esprit. On ne voit pas l'esprit, mais on voit la manifestation de. Quand j'entends certaines personnes commencer à parler, je sais tout de suite à quoi ils sont connectés. Ou encore, je sais à quoi ils ne sont pas connectés. Quand je veux parler avec des gens, je ne m'efforce pas. Je ne m'efforce pas du tout. Quand le flot va couler, le flot peut commencer par couler. Quand tu es en face de quelqu'un qui n'a aucune compréhension des choses spirituelles, tu sais que la personne n'est pas connectée à l'esprit. Tu sais, directement. C'est là que vous discutez, vous parlez, mais ceci. Quand la parole vient, quand tu es rempli de la parole, c'est pourquoi la Bible dit, l'esprit lui-même soupire et dit, Abba, Père, quand tu entends la voix de l'esprit, puisque l'esprit est en toi, tu entends la voix de l'esprit, l'esprit dit, yes, ma fille, suis-le. L'esprit dit, yes, mon fils, suis-là. Quelqu'un dit, l'esprit, à quoi es-tu exposé, ma soeur? À quoi es-tu exposé? Mon frère, à quoi es-tu exposé? Aux jeux vidéo? Aux games? À quoi es-tu? Aux films? Et tu peux citer tous les films. Oh, le futur film là, il y a telle personne. Et là, c'est que tu es excité. Mon frère, à quoi es-tu exposé? Quand on te parle de l'enfer, est-ce que tu serais capable de parler de l'enfer? Sérieusement, quand on te parle du ciel, est-ce que tu serais capable de commencer à parler du ciel? De parler du ciel pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures? Non, même pas 5 minutes. Tu ne peux pas. À quoi es-tu exposé? Parce que c'est ce qui est au fond de ces deux, l'abondance du cœur que la bouche parle. Je peux connaître ce qui est dans ton cœur quand je commence à t'écouter parler. Beaucoup de gens sont exposés à la haine, à l'amertume, sont exposés à une rage. Et une rage au fond de toi te pousse à haïr, à avoir de la haine. À quoi es-tu exposé? Tu es exposé à quelque chose qui est connecté avec quelque chose et cette chose-là te produit quelque chose parce qu'on dit on ne les reconnaîtra pas quoi? Par leurs fruits. À quoi es-tu exposé? Vous savez, il y a quelque chose qui est juste dans la vie. Le mal, le vent, l'air, on n'invite pas l'air à rentrer à des endroits donnés. On n'invite pas ça. Il faut juste vider la bouteille et puis l'air est déjà là. Il faut juste vider le verre et puis l'air est déjà plein, rempli plein. Il faut juste vider. Vider le récipient et l'air est... On n'invite pas à dire, oh maintenant... Et on va remplir, donne-moi un seau d'air, apporte-moi un seau d'air, et je vais remplir ça. Non, juste vider. Mais le truc est que
plus tu es exposé à la parole et tu n'es pas continuellement exposé à la parole, tu es en train d'être visé par ceux. Toutefois, quand quand l'esprit, tu es exposé à d'autres esprits, et si tu n'es pas chargé, tu n'es pas rempli de Dieu, rempli de sa connaissance, rempli de son esprit, rempli des choses négatives, tu n'as pas un bon fond, une bonne disposition, tu es exposé. Et tu es en train d'être déchargé. Tu es déchargé. Chut, chut, chut. Comme Catherine Kuhlmann, si quelqu'un qui est vraiment loin dans le monde spirituel, comme Catherine Kuhlmann, qui n'est pas loin dans le monde de Dieu, et qui est véritablement, parce que nous savons, nous dealons avec, vous n'avez aucune idée des gens avec qui vous dealez. Vous n'avez aucune, non, c'est juste une petite fille, cette petite fille que tu vois là, elle est une reine dans le monde spirituel. Cette petite fille que tu vois là, elle est une grosse sorcière. Non, c'est juste une petite fille. Non, c'est juste une folle. Je me rappelais, hein, ces années-là, il y a une folle qui marche dans toute la ville. Elle marche, elle marche partout. Il n'y a pas cet endroit-là où tu ne la vois pas. Et un jour, elle passait. J'ai dit, cette dame-là, elle est une sorcière. Ma mère m'a dit, mais Amber, qu'est-ce que tu dis comme ça? Tu vois des sorciers. J'ai dit, maman, cette dame est une sorcière. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que vous me suivez? Et lorsque j'ai dit ça, mais la dame, elle est très gentille. Quand elle vient, elle garde d'arachide, elle garde des choses qu'elle distribue aux enfants. Elle dit, elle est très gentille. Elle fait cela. Et elle passait. Et je l'ai regardé, j'ai dit, in the name of Jesus, parce qu'elle parle anglais, elle dit, non, elle est venue du Ghana. Elle dit, in the name of Jesus, lorsqu'elle a entendu Jesus, elle a commencé à crier. Et puis, vous allez voir, il y a une rage qui est rentrée en elle. Et puis, elle a couru. Comment j'ai su que la dame, elle est une sorcière? Elle n'est pas une petite sorcière. La préfecture, il y a la préfecture. Et si on peut parler de la préfecture, il y a c'est le bureau de la préfecture. C'est un grand, ils ont fait une grande gate, un grand grand portail, et il y a une grande clôture. Et la dame, elle est logée aux portes là. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est elle qui contrôle tous les sorciers de la province. Vous allez la voir marcher. Une personne qui est ointe à ce niveau, lorsque cette personne passe, elle draine une onction donnée, comme Catherine Kuhlmann draine l'onction du Saint-Esprit. Ceux qui vont tomber sans qu'elle n'intervienne même pas vont tomber directement. On était en train de faire la délivrance d'un petit garçon qui est un sorcier. Et le garçon dit, écoutez, je vais vous dire une chose. La dame qui est notre boss dans la sorcellerie, dans toute la région, c'est telle dame-là. Les gens étaient étonnés de ce que le garçon entend dire. Il dit, la nuit, quand vous la voyez, la voiture qu'elle porte, l'ordre qu'elle donne, il dit que tous les sorciers de la région se prosternent devant elle. Donc, la journée, quand les gens vont au travail, elle marche, elle fait ses marches prophétiques. Elle part de maison en maison. Elle sème les choses. Vous allez voir, toi et ton mari, vous êtes partis bien, vous avez fait bisous. Vous êtes partis correctement. Hey, on se voit ce soir, hein? D'accord, rendez-vous ce soir. Et quand vous venez à la maison, c'est la guerre qui commence. Quelqu'un était de passage à la maison, tu ne sais pas. C'est pour ça que je vous dis souvent, quand même ta propre maison, quand tu mets le pied dans la maison, tu dis, porte élevée volento, que le roi de gloire fasse son entrée. Dans toute maison, dans tout lieu, dans tout bureau, dans tout service, quand vous rentrez, vous déclarez le psaume 24, verset 7. Porte, élevez-vous linteau, élevez-vous, que le roi de gloire fasse son entrée. Quand tu fais comme ça, ce n'est pas toi qui rentres. Le roi de gloire fait son entrée. Donc, toute disposition, tout ce qui est disposé dans la chambre là, ça part, boum, directement. Quelqu'un me dit amen. Oh, dis-moi un bon amen. J'ai dit, c'est juste une courte exhortation que je veux donner aujourd'hui. Je ne veux pas prêcher, c'est juste une courte exhortation que je veux donner aujourd'hui. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Alléluia. De quoi es-tu rempli? Tu peux te contrôler, mais tu ne peux pas contrôler ce qui est autour de toi. Tu peux intentionnellement te remplir de la bonne disposition. La bonne disposition, c'est que quand tu te retrouves en face de ta volonté et tu vois,
tu donnes encore une grande marche à la volonté de Dieu. C'est ça que Jésus a dit, que ta volonté soit faite. Il dit, papa, les chicottes là, déchirer mon corps, cracher, me mettre à nu là, non. On va trouver autre alternative. Dieu a dit, Dieu n'a même pas parlé. Et en même temps, il lui a dit, non, j'ai juste dit ça. Mais si c'est ce que tu veux là, fais-le. Les gens qui veulent se disposer, qui veulent se laisser, qui ont un bon fond, ont une disposition positive. Appelle. Non, c'est ma sang, un mari français. Non, ce n'est pas fait de ma forcer. Je suis prêt à être forcé automatiquement. Je suis quoi? Prêt à être forcé. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi bon amen. Hier, quand on était au Texas, on nous avait donné une invitation. Après l'enterrement, on nous a donné une invitation VIP pour aller et après pour aller déjeuner, quelque chose comme ça. Mais j'ai regardé l'heure, j'ai fait les calculs entre l'hôtel au lieu de l'invitation de là à l'aéroport. Je me suis dit, si nous n'aurons pas assez de marge de manœuvre, mais je suis parti. En allant, je me suis dit, ah, est-ce que j'ai bien fait? Je suis venu soutenir l'homme jusqu'à la fin, mais est-ce que j'ai bien fait de juste partir comme ça? Et j'ai essayé de contacter certaines personnes qui sont proches. Ils m'ont dit non, c'est OK. Effectivement, Bishop est resté, après l'enterrement, il est resté là. Tout le monde était parti, il est resté seul en face de tout cela. Donc, de toute manière, on s'était déjà vu de façon technique, mais on n'aura pas le temps de parler tout ça là. Alléluia. Quelqu'un dit une bonne disposition. Tu peux avoir tout ton plan, mais laisse-toi au plan de Dieu. Tu dois avoir tous tes désirs, mais laisse le désir de Dieu prendre le dessus. Parce que Jésus aura toujours raison. Dieu va toujours avoir le dernier mot. Il aura toujours raison. Quelqu'un me dise amen. Je pense que mon exhortation s'active et ça fait. On a encore quelques secondes pour finir. Quelqu'un me dise amen. Je vais finir ce matin pour dire trois choses que j'ai vues avec vous ce matin. Soyez remplis de la foi, remplis de tout le savoir, tout ce que tu dois connaître au sujet de Dieu, tout ce que tu dois connaître au sujet du mariage, tout ce que tu dois connaître au sujet de l'Église, tout ce que tu dois connaître au sujet de l'Évangile, tout ce que tu dois connaître au sujet de la prospérité, tout ce que tu dois connaître au sujet du Seigneur. Il faut absolument le connaître. Ce que tu fais, ce que tu as l'habitude de faire déjà dans le Seigneur, il faut apprendre à connaître pourquoi tu le fais. Et enfin, être rempli d'une bonne disposition. Et ça se fait de façon intentionnelle. Parce que si tu ne le fais pas, tu seras rempli d'autres choses. Tu vas te voir avoir une réflexion. Tu vas te dire, mais est-ce que c'est moi, j'ai cette réflexion-là? Mais tu ne vas pas le savoir parce que tu serais très convaincu dans cette réflexion. Parce qu'un esprit est déjà rentré là. Nous allons prier. N'oubliez pas, la nature a horreur du vide. Et si vous n'êtes pas rempli de bonnes choses, vous serez rempli de mauvaises choses dont vous n'avez pas besoin. Ces mauvaises choses dont la Bible a parlé, vous en serez rempli. Nous allons baisser la tête et prier. Baisse la tête, nous allons prier. Tu vas parler au Seigneur. Qu'est-ce qui m'a rempli? Qu'est-ce qui m'a rempli? Qu'est-ce qui m'a rempli? Et qui n'est pas de toi? Et qui ne vient pas de... C'est lui qui va le savoir. Parce que celui qui n'a pas été en terminale ne peut pas savoir le programme de terminale en réalité. Qu'est-ce qui m'a rempli? Celui qui n'a pas étudié véritablement en droit de la famille, n'est pas informé en droit de la famille, ne saura pas de quoi ça composé. Non, moi je fais ce que je dois faire. Mais est-ce que tu sais ce que tu dois faire? Non, si tu fais ce que tu penses devoir faire, mais est-ce que tu le sais véritablement? Seigneur, remplis-moi de toi. Plus de toi, Seigneur.
Remplis-moi, Seigneur, de ta volonté. Remplis-moi de ta vie. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ta personne. Remplis-moi de toi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton savoir. Remplis-moi, je veux te connaître. Tu dois dire, Seigneur, je veux te connaître. Tu penses le connaître, mais non, il est si grand que tu ne peux pas le connaître jusqu'à la fin de tes jours. Dis, Seigneur, apprends-moi à te connaître encore. Connais ton nom. Apprends-moi à te connaître, Seigneur. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Marabro Santa Katia là-bas. Listo, commande à l'écran, à l'écosati. Seigneur, remplis-moi, déborde-moi, Seigneur. Je veux être rempli de la joie. Oui, j'ai des raisons justes et suffisantes pour ne pas être dans la joie. Mais Seigneur, c'est ta joie qui est ma force. Remplis-moi de ta joie, Seigneur. Que ta joie soit ma force, Seigneur. Seigneur, remplis-moi de l'esprit. Dis l'esprit, entre en moi. Apprends-moi, Seigneur. Ah, de façon officielle, de façon légitime, apprends-moi, Seigneur, oh Dieu, à, de façon intentionnelle, être rempli de l'esprit, en état, être exposé constamment à la bonne parole, à la parole de Dieu, au message, être exposé, Seigneur, oh Dieu, à la parole de Dieu, être exposé à la bonne musique, la musique d'adoration, la musique chrétienne, Seigneur, rempli d'onction, apprends-moi à être exposé, être rempli, remplis-moi, Seigneur, oh, remplis-moi, plus de toi. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté, Seigneur. Je ne veux pas naviguer en dehors de ta volonté. J'ai des préférences, j'ai des désirs, j'ai des choses en vie, j'ai des plans, Seigneur. J'ai prévu cette chose, Seigneur. Mais Seigneur, apprends-moi à être plein de ta volonté, Seigneur, de la connaissance de ta volonté. Je veux connaître ta volonté. Je veux connaître, Seigneur. Je veux vivre dans ta volonté, marcher dans ta volonté, Seigneur. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Mes sentiments veulent faire la volonté. Mes désirs veulent faire la volonté. Mes savoirs, mes connaissances veulent faire la volonté. Mais Seigneur, je veux faire ta volonté, Seigneur. Voici mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut donner, vous savez, le sang, tout ce sang, c'est le cœur. Est-ce que quelqu'un peut libérer son cœur devant le Seigneur, Seigneur, maintenant, regarde mon cœur. Qu'est-ce qui est dedans? Oui, j'ai des raisonnements. Oui, Seigneur, j'ai des désirs. Seigneur, regarde mon cœur maintenant. Que ta volonté, la volonté de ton temps, la volonté de ton choix, Seigneur. Oui, j'ai le désir, j'ai un désir donné, mais Seigneur, je ne veux pas tes choses. Il y a des choses que tu ne veux pas. Même les petits-enfants ont des choses qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas du tout de ça. Dieu nous a donné une volonté. Il sait pourquoi il nous a donné une volonté. Il nous a donné cette volonté pour que nous puissions dépendre de sa volonté, pour que nous puissions décider de laisser à côté de côté notre volonté et de dépendre de sa volonté. Tu vas dire, Seigneur, voici mon cœur, tu connais mon cœur. Voici le fond, Seigneur. Vide-moi de ce fond-là. Vide-moi de son fond. Donne-moi, Seigneur, de vivre dans ta volonté, Seigneur. Seigneur, remplis-moi d'une bonne disposition dans le nom de Jésus. Chose que tu ne peux pas contrôler. S'il y a une peur au fond de toi, s'il y a une crainte, s'il y a un désir que tu n'arrives plus à maîtriser, s'il y a quelque chose avec lequel tu t'es battu pendant des années, lève les mains, lève les mains. Je vais prier pour toi maintenant. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu m'as oint, Père, pour libérer les captifs. Aujourd'hui, Seigneur, je brise les liens, Seigneur. Je brise les liens de la captivité au nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui garde, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui garde, Seigneur, les enfants en captivité en ce jour? Je brise ce lien maintenant. Maintenant, sois rempli. Sois rempli de l'esprit. Sois rempli maintenant. Débordé. Sois rempli. Sois rempli maintenant. Dans le nom de Jésus, sois rempli. Au nom puissant de Jésus, sois débordé. Dans le nom de Jésus. Merci, admirable Père. Sois honoré. Sois célébré. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.